On a pu dire que Dieu et la science s'opposaient parce que les découvertes scientifiques de la modernité semblaient nous dévoiler un univers dépourvu de signification. En fait, tout a changé dans les dernières décennies du XXe siècle et aujourd'hui. D'abord, avec la théorie du Big Bang, on voit bien que l'univers ne s'explique pas par lui-même, ne se suffit pas à lui-même. Ah, ça ne prouve pas qu'il existe un Dieu créateur directement, mais c'est déjà un pas énorme. Ensuite, on s'est rendu compte que cet univers était réglé de façon extrêmement précise, que si on changeait quoi que ce soit dans cet univers, par exemple la vitesse d'expansion, eh ben, l'univers allait se diluer sur lui-même. Ou si on l'a diminué, cette vitesse d'expansion, l'univers allait s'écraser sur lui-même. Et ainsi de suite. Si vous changez par exemple à la 16e décimale près la charge électrique d'une particule comme l'électron, eh bien, tout explosera parce qu'il n'y aura pas d'égalité entre les charges électriques positives et négatives. Plein de choses comme ça. Donc face à cela, les scientifiques en sont venus à se dire, soit il y a une infinité d'univers parallèles, et dans ce cas-là, eh bien, on se dit qu'on est par hasard dans le bon univers qui a les bonnes constantes et tous les autres sont stériles. Ou alors il y a un seul univers, mais il est tellement réglé de façon tellement précise que dans ce cas-là, il faut postuler un principe créateur. Donc ce qui est incroyable, c'est que de grands scientifiques, pas forcément croyants, en viennent à dire « oui, s'il y a un seul univers, eh bien il faut postuler un principe créateur ». Et pour se débarrasser de ce principe créateur, il faut postuler une infinité d'univers inobservables, hein, tous les uns à côté des autres, séparés les uns des autres. Eh bien vous savez quoi? Ça retourne la charge de la preuve. Pendant les progrès des sciences, on avait dit le tonnerre, c'est la colère de Dieu. Pas du tout, c'est les problèmes de charge électromagnétique. Vous voyez. L'épidémie de peste, c'est la colère divine. Pas du tout, c'est des microbes. Donc Dieu, disait-on aux croyants, est une hypothèse inutile. Vous rajoutez Dieu comme ça pour expliquer le monde, mais en fait, on n'en a pas besoin. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'inverse. Pour se débarrasser de Dieu, il faut rajouter une infinité d'univers parallèles. Je trouve ça assez intéressant comme retournement de situation. Voilà pourquoi, et il y a encore d'autres arguments, mais je vous ai donné, je pense, les plus importants, voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, Dieu et la science sont plus compatibles qu'au début des grands progrès scientifiques qui ont caractérisé le décollage de la modernité.